Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode de la carrière d'Heurt 4. Nous ne sommes pas, comme annoncé à l'épisode précédent, sur du rallycross aujourd'hui, mais bien sur le rallye du Pays de Galles avec 4 spéciales au programme. Alors il y a eu un petit souci de timing au niveau des crédits, on n'a pas de quoi faire évoluer notre voiture en Super 1600 pour rouler en rallycross. On va remettre ça une prochaine fois, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir tout ce qu'il faut dans la carrière sur la... Sur la chaîne, on va donc aujourd'hui partir au volant d'une Peugeot 208 R5 sur les routes du Pays de Galles, 4 spéciales. La première, vous la voyez, 4 200 km avec pas mal de dénivelé, vous le voyez au départ et à l'arrivée, et surtout le soleil du matin pour débuter cette première spéciale. C'est parti donc avec cette Peugeot dans la spéciale de Powys. Ici, vous le voyez, il fait plutôt clair et ça s'annonce assez sympathique comme début, ce rallye de terre. Vous découvrez les objectifs de cette session avec... on roule pour une écurie, donc les objectifs sont assez habituels. Je vous laisse mettre pause si vous souhaitez connaître plus de détails. Voici donc la bête avec laquelle nous allons rouler aujourd'hui. On ne perd pas un instant de plus en préparation. Direction le départ. Timing pas trop mauvais pour le départ. Allez, l'épingle. Ça se passe bien. Oh! Ah oui, en aveugle. Allez, on est bien parti, 4 secondes d'avance. Pour l'instant, ça s'enchaîne parfaitement. Ouais, c'est pas simple. Ça va très très vite les enchaînements. On va essayer de le passer à fond. Oh! Tout est en aveugle, c'est très compliqué. Oh, et on s'est fait rattraper sur la ligne. On est à moins d'une seconde d'Alvarez. Bon, bah, début de spécial très très bien, mais la fin un peu plus compliquée avec tous les virages en aveugle. J'ai pas osé y aller à fond. C'était compliqué. Allez, on poursuit ce rallye du Pays de Galles avec la deuxième spéciale. Et cette fois-ci, il est midi, on continue dans la journée. Il fait sec, toujours du gravier, un peu moins de dénivelé, mais ça s'annonce encore avec pas mal de descentes et donc de virages en aveugle. On a hâte de voir un petit peu comment ça va se passer dans la bagarre avec, avec le leader. 4 km 960 comme distance à parcourir. On a hâte de découvrir ça avec vous, ça s'annonce bien en tout cas. Très serré, j'ai encore évolué au niveau de la difficulté.
dans les menus. J'ai encore rehaussé, je crois que je suis à l'avant-dernier niveau en termes de l'intelligence artificielle, de difficulté. Donc j'espère que ça va être le cadre de belles bagarres. En tout cas, regardez, on a été très très bon sur la première moitié de la première spéciale et assez en retrait sur la deuxième. Donc ça va être intéressant de voir ici comment on peut de nouveau s'en sortir. Ah, départ un petit peu en retard par rapport à ce que font nos adversaires, on peut le voir en bas. On est mieux parti, on arrive à se rattraper un petit peu. Toujours aussi exigu, hein, le départ à travers les arbres. Un petit peu au large. Hop, attention au talus. Hop, on était un peu à l'intérieur là sur le point de corde, on perd encore du temps. On est deuxième. On chute, sixième place. Right five, left six. Keep middle over crest. Into left three, into right four. Whoop. Into left six. 130, bump up the media to open him in right, keep in. Right six. Allez, on va encore perdre du temps. On va encore perdre du temps. Ah, I can hear misfire. Il y a des ratés moteurs. On a des coupures d'allumage. Aïe, 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 il y a un problème sur la voiture. On a des ratés dans le moteur. Oh, c'est compliqué, c'est compliqué. Allez. Oh la vache. Ah, je suis concentré, vous avez pas idée. La 208 qui se comporte très très bien. Elle est parfaitement comme je le veux dans son comportement. On est encore en retard. Faut prendre un maximum de risques. Je regarde même pas le classement, je suis tellement sur la route. Allez! Allez, à fond jusqu'au bout. Oup! Eh bien, l'arrivée a été compliquée. Et on reprend 6 dixièmes à Alvarez. Au prix d'une arrivée plus que limite. Mais bon, je crois qu'on a de toute façon l'assistance à l'issue de ces deux spéciales. Ouh! Eh bien, ça a été de la bagarre avec la voiture, mais un pur, pur, pur plaisir. Troisième spécial de ce rallye du Pays de Galles, plus serré que jamais, ça se joue au dixième de seconde près. On est à Lyaet-Doom Windform, 6 km 450 au programme, 50 mètres de dénivelé, ça va encore jouer avec le transfert des charges. Mais qu'est-ce qu'elle est fun cette Peugeot à piloter. En tout cas, on va avoir droit à des conditions petit gravier, gravier intermédiaire. Il va faire nuageux, mais pas de pluie, donc on va d'abord passer du côté et de l'inspection et du centre de réparation, l'assistance, avant de se diriger vers le départ de cette troisième spéciale ici au rallye du Pays de Galles. Allez, c'est parti pour cette spéciale. On va essayer de conserver le micro-avantage que l'on a sur nos adversaires.
6, 60, crest, dip, right 6. Premier partiel, 2 secondes 2 d'avance, c'est pas mal. Oup! Ça glisse. Hop! Et là, ça coupe. Oh, la descente est vertigineuse. Ah, don't cut, je te rassure, je ne vais pas tenter de cutter. Allez, le left one, très serré. Oh là là, c'est pas mon niveau. C'est trop, trop dangereux. Allez, on essaie de passer au plus possible. Ça attaque très très fort. Alors on est quasiment arrêté. Oup. On doit couper. On est tombé au cinquième rang, mais là je peux pas faire mieux, hein. Je suis désolé. On voit rien avec les ombres. Non! On s'en sort bien, on s'en sort bien. J'aurais pu taper beaucoup plus fort. Oh, c'est vraiment du sport. On va quasiment perdre le rallye sur cette étape, je pense. À moins d'un miracle dans la dernière, mais... Le left one, compliqué, le droite une. Oup! Allez! On est un peu au large ici pour accélérer. Le left one, il était où? Ici. Allez! Allez, cocotte! Ouf. Eh bien, quelle étape difficile. Alors on a fait une faute évidemment, on a perdu 5 secondes. Ça commence à être compliqué face à Alvarez, il va rester une spéciale de 8 km, mais ça s'annonce très très chaud cette finale au Pays de Galles. Place à la quatrième et dernière spéciale de ce rallye du Pays de Galles sous les nuages. 8 km 300 à parcourir avec ses 60 mètres de dénivelé. Ça nous annonce quand même pas mal de sueur froide. On va voir comment tout cela va se passer, mais ça va être une spéciale très très longue en termes de pilotage. On peut tout gagner et tout perdre. On espère peut-être des soucis du côté de nos adversaires. En tout cas, on a 4 secondes à récupérer et pour cela on a 8 km. On va voir comment notre petite 208 va s'en sortir. C'est parti pour la dernière étape ici à Knighton Lake pour cet épisode avec le rallye du Pays de Galles. Moment de tension intense.
au départ de cette quatrième spéciale ici au Pays de Galles. Allez, on passe le guet sans problème. Whoop! Ah oui, c'était délicat et glissant. Ah, on avait le don de cut, mais on perd du temps. Et on rentre dans la forêt. C'est parti pour les secteurs les plus techniques et les plus dangereux. Je vais pas vous mentir, je regarde pas du tout où j'en suis au niveau du classement. J'attaque et je me concentre sur les enchaînements. Ouh ! Ah, ça touche un petit peu à l'arrière gauche. Temps de perdu ici aussi. Ah, on fait des petites erreurs qui vont peut-être nous coûter cher au calcul final. On a 8 secondes d'avance pour l'instant. Mais on a dû perdre un petit peu. Allez, on ne lâche absolument rien. On va aller jusqu'au bout avec cette petite 208. C'est très très technique, très très technique, ça ne va peut-être pas forcément très vite, mais... Allez, ça se passe bien. On est dans la dernière partie de la spéciale et du rallye. Oup. Encore squeeze un petit peu. Allez, on est bien. On est en train d'aller gagner ce rallye. Si j'en crois les couleurs sur le côté, je sais pas quelle est l'avance parce que je ne vois vraiment pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est l'hélicoptère? C'est l'hélicoptère. Oui. Putain, ça c'est vraiment dégueulasse, hein. Franchement. Ça c'est horrible. Oh là là, et oui, évidemment. Ah, revenir au milieu, voilà. Ah, on a perdu beaucoup de temps. Into right 4, into left 6, 60.
Oh la vache, je sais pas si ça va suffire. Le coup de l'hélicoptère, je l'ai très mauvaise, hein, je peux vous le dire. Alors on est derrière Morton, mais Alvarez est à 8 secondes. C'est Morton qui fait le scratch. Est-ce qu'on a assez pour gagner ce rallye du Pays de Galles? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'hélicoptère m'aura coûté très très cher. Eh bien, visiblement, on est en tête. On aurait bien gagné ce rallye, on va voir ça. Eh oui, on est en tête du rallye. Regardez, classement épreuve, on est premier. Eh bien, c'est un petit miracle. Est-ce qu'on peut avoir les temps? Eh bien, on gagne ce rallye pour 2 secondes. 2 secondes sur Alvarez qui a eu des soucis, semble-t-il. Morton est troisième. Il a pourtant fait le scratch avec sa Hyundai. Eh bien, on s'en sort très très bien après une épreuve difficile. C'était génial. Et le podium de ce rallye devant donc l'Argentin Alvarez. On termine premier. Les sponsors sont-ils heureux? On va le découvrir. Oui, 6000 crédits de gagnés, c'est déjà cela maintenant. Eh bien, on fait le total et on gagne 72 000 crédits. Et on gagne aussi un niveau, c'est plutôt cool, niveau 17. Nous sommes donc compétents, ce qui est toujours rassurant. Et bien voilà, c'est ici que l'on va refermer ce cinquième épisode de la carrière d'Heart 4. J'espère vous retrouver très vite pour la suite de nos aventures. N'hésitez pas à réagir évidemment dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis, quelle que soit votre simulation favorite. À la prochaine, salut.